Et la flotte est là, c'est hyper hyper serré. Voilà. C'est très très serré. Rien n'est joué. Et là, il fallait absolument que je vous montre. Dehors, c'est liquide. Il pleut comme ça, non-stop depuis. Ça coule de partout, voilà. Bon, allez, à tout à l'heure. Bon, alors là, on est lundi soir. On vient passer le Ratzin. J'ai qu'un regret, c'est de pas d'avoir filmé. C'était magique. On était dans les rouleaux à contre-courant. Donc là, devant, il y a Adrien. Donc j'ai plutôt recollé dans le paquet avec lequel j'étais. Mais derrière, vous allez voir, la flotte n'est pas loin. Et donc, il va falloir rester concentré. Voilà. Et il reste au moins encore 2 jours de route pour arriver à Riron. Je pense que je vais pouvoir me faire à manger tout à l'heure quand on aura abattu. Et qu'on sera en direction des Birvido. On va pas en Irlande, ce matin, c'est trop riche. J'ai réussi à jouer les bons coups, surtout en Bretagne. Enfin, c'est un coin que je connais bien aussi parce que j'y navigue souvent. Et bon, j'étais un peu moins heureux dans le golfe de Gascogne, mais voilà, globalement, je suis très content. J'ai jamais lâché, toujours à fond dessus. Enchaînement des galères, j'ai chié cette étape, j'ai fait un faux départ, une option un peu moyenne, et là je suis en train d'un sac poubelle dans la quille, j'ai dû naviguer au moins une heure avec, j'ai passé pas mal de temps, j'ai oublié de m'arrêter, faire marche arrière alors qu'on est à 10 nœuds. Ça n'arrête pas, c'est l'enchaînement. Enfin bon, l'étape est encore longue, ce qui me fait peur c'est que ça part plutôt par devant et je vois pas, pas comme la première étape, je vois pas quand on va revenir. Bon bah, j'espère au mieux. Thank you.
qu'il y avait. Je ralentis un peu en arrière. Il y avait juste l'image avec la lune.